En manchette aujourd'hui, Saint-Ignace de Loyola dépose sur son site web sa présentation concernant le projet de centre communautaire. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 31 mars, dernière journée du mois. On débute par une nouvelle fort importante, c'est aujourd'hui que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a déposé sur son site web, un document de 80 pages qui résume le projet de centre communautaire et qui donne un portrait au moment présent de la situation. Tout d'abord, il y a des appels d'offres qui ont été déposés. Les appels d'offres ont attiré 4 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire construction LARCO a déposé une soumission pour le projet de 8 357 532 $. La firme Bernard Malot, 8 641 000. Les entreprises Philippe Denis, 8 727 000. Et les entreprises Christian Arbour, 9 060 000 $. Donc, la firme DG3A, embauchée par la municipalité, qui a étudié les soumissions, a confirmé, a recommandé que la soumission de l'entreprise Construction LARCO se veut la plus basse conforme, donc au montant de 8 357 532 $. Ce prix du soumissionnaire est garanti pour 120 jours. Donc, c'est pour ça que les choses vont se bousculer à Saint-Ignace pour voir ce qu'on fait avec cette offre. Rappelons qu'au tout début du projet, avant pandémie, on parlait d'un centre communautaire avec un coût estimé à l'époque de 3 millions. Il est arrivé la pandémie, ce coût-là est passé, un estimé sommaire à l'époque, aux alentours de 6 millions. Et là, les vrais chiffres sortent, c'est plus de 8 millions. La répartition des coûts, ce 8 millions-là, si on regarde, si on enlève, évidemment, ou on récupère 50 % des taxes, selon l'entente, municipalité-gouvernement, là, donc c'est un projet de 8 005 868 $. On prévoit une subvention du gouvernement du Québec de 3 millions. Une subvention rattachée au programme de la TEC de 278 711, ce qui implique une contribution du Fonds général de la municipalité, un montant de 166 429 pendant 20 ans. On parle d'un total de 3 328 580 $. Faudra emprunter un emprunt à la charge de la municipalité pour répartir donc au niveau du service de la dette pour 1 398 757. Il faut ajouter à ça capital et intérêt pendant 20 ans. Ils sont calculés dans ce projet-là à 2 % 85 532. Tout ça fait que pendant 20 ans, le compte de taxes serait haussé pour couvrir les montants manquants de 61 $ 58 sous par compte de taxes. Donc, le conseil municipal avait mentionné, lors de la présentation du projet précédent, la consultation, on parle de 2020 à ce moment-là, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes pour financer ce projet. Dans le document, on peut lire « La municipalité a analysé la situation actuelle en profondeur et suite à l'ouverture des appels d'offres tenus le 23 mars dernier, malheureusement, il est financièrement impossible, écrit-on, de réaliser le projet sans une contribution des citoyens. » Le conseil municipal est cependant unanime à l'effet que les prix soumis lors de l'ouverture de l'appel d'offres sont fortement au-delà des prix estimés au départ. On peut lire dans le document, malgré l'enjeu financier du projet,
Le conseil municipal prend en considération les besoins de la communauté, de la voirie et de l'administration. D'une part, le conseil est conscient qu'avoir accès à une subvention de cette ampleur, on rappelle le 3 millions entre autres de Québec, est une chance inouïe et qu'il est peu probable qu'une opportunité pareille se représente à nouveau dans un proche avenir. De plus, le conseil dit prendre en considération la garantie de prix de 120 jours, soit jusqu'au 23 juillet prochain. Si on regarde maintenant les étapes à venir, les étapes potentielles, on rappelle que les appels d'offres ont été ouverts le 23 mars dernier au bureau municipal. La publication des informations aux citoyens via le site web, c'est aujourd'hui. Une rencontre citoyenne a lieu le 3 avril prochain, 14 heures, à l'église de Saint-Ignace. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt est prévu pour le 5 avril prochain. C'est sujet à modification cependant. L'adoption d'un règlement d'emprunt conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pourrait se faire le 11 avril. C'est toujours sujet à modification. Si ça se déroule, un avis public suivrait, un registre des personnes habilitées à voter, là, un avis qui annoncerait ça. Ça se ferait le 12 avril, c'est sujet à modification toujours. Le registre des personnes habiles à voter là, dans ce dossier-là, donc les citoyens de Saint-Ignace, c'est le 20 avril que ça se déroulerait. Donc, ça serait cette journée-là que les gens vont ou vont pas signer le registre. Si plus de 197 signatures sont apposées dans ce registre contre le règlement d'emprunt, le règlement sera, s'il n'y a pas plus de 197, on va le faire comme il faut, là. Si plus de 197 personnes signent le règlement, donc il y aura un référendum. Si c'est moins, ça sera réputé accepté par la population. Suivrait à ce moment-là une séance extraordinaire le 21 avril, puis un référendum à une date, si on a des signatures requises, un référendum à une date à être déterminée, donc suite au registre des personnes habiles à voter. L'approbation du ministère du Tourisme, si évidemment le registre, il y a moins de 197 personnes qui signent, donc, l'approbation du ministère face au projet serait en juin ou juillet. Toujours, s'il y a moins de 197 signataires, le début du chantier serait au cours de l'été prochain. Le projet pourrait être livré en mars 2023. La fermeture du règlement d'emprunt, lui, la fin des travaux, serait en juillet et août prochain. Et le règlement d'emprunt, le début des versements, en janvier 2024. Donc, évidemment, tout ça est lié au processus des signatures. S'il y a moins de 197 signatures, on peut continuer, si le conseil le décide. S'il y en a plus, eh bien là, on ira dans un processus référendaire, évidemment, qui peut être positif ou négatif. Et après, on verra si le projet s'en va sur une voie d'évitement, si on le modifie, si on l'abandonne, si on le retravaille, ou si on va comme prévu, avec les montants qu'on a parlé au début. Parlons justement du registre des personnes habiles à voter. Ce registre est une étape importante dans le processus d'approbation du règlement d'emprunt. Une fois le règlement adopté par les membres du conseil, il doit être soumis au registre des personnes habiles à voter pour fin d'acceptation au sein des citoyens concernés par le règlement. Si le nombre de signatures requises n'est pas atteint, cela signifie que le règlement est accepté par la communauté, comme on mentionnait tout à l'heure. Il peut être envoyé au ministère de l'Habitation, des Affaires municipales, pour finaliser son approbation. Cependant, si on atteint 197 signatures, cela signifie donc les gens sont contre le règlement d'emprunt ou qu'ils désirent que le conseil entreprenne le processus référendaire.
Advenant l'atteinte du nombre de signatures au registre des personnes habiles à voter, le conseil municipal devra entreprendre le processus référendaire ou encore modifier et refaire le processus de règlement d'emprunt. Advenant le cas où le conseil opte pour le processus référendaire, il soumettra la même question à toute personne habile à voter concernée par le règlement et ces derniers seront convoqués aux urnes afin de se prononcer sur la question. Si la réponse est positive, le projet continuera. Toutefois, si la réponse est négative, le conseil municipal devra reviser le projet ou l'abandonner. À noter, selon le document fourni par la municipalité que vous pouvez lire sur le site web de Saint-Ignace, à noter que la tenue d'un référendum coûte environ 15 000 $ aux contribuables. Le refus d'un règlement d'emprunt concernant le projet de démolition et de construction d'un centre communautaire signifiera, peut-on lire dans le document, que la population trouve le projet trop onéreux. Le conseil devra donc analyser de nouveau les possibilités. Donc, des soumissions qui dépassent un peu le 8 millions, on parle de 8 355 000 $. On rappelle qu'au début, on parlait de 3 millions. De 6 millions un peu plus tard, la subvention, elle, n'a pas bougé à 3 millions à ce moment-là. Et là, on parle de 8 millions un peu plus. Donc, ça sera fort possiblement aux citoyens à décider. Donc, on poursuit ce bulletin maintenant. Allons-y, attendez un petit peu, on se retrouve. Voilà, l'Autorité des marchés financiers met en garde les consommateurs québécois contre les agissements d'un ou de plusieurs individus qui utilisent actuellement le stratagème de fraude du président. Dans ce type de fraude, le fraudeur contacte directement les employés d'une entreprise et leur demande de faire des virements bancaires d'urgence. Le fraudeur se fait passer pour le président de l'entreprise ou prétend que la demande provient du président de l'entreprise. Dans le cas présent, l'autorité a reçu un signalement à l'effet qu'un fraudeur a envoyé un employé d'une entreprise, a envoyé donc à un employé d'une entreprise, un courriel portant la signature du président de cette entreprise et demandant d'effectuer de manière prioritaire une transaction liée à une offre publique d'acquisition. Par la suite, une personne disant exercer à titre d'avocat a appelé l'employé à plusieurs reprises afin de valider les montants à transférer. Afin de donner plus de crédibilité à la demande, il était mentionné que la transaction avait été autorisée par l'Autorité des marchés financiers. Si vous croyez avoir été la cible de ce stratagème ou d'un autre stratagème de fraude, on vous invite à communiquer avec votre corps de police local, ici la Sûreté du Québec. Donc, on a aussi une courte vidéo à ce sujet provenant de la Sûreté du Québec. On l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue à SQTV. Ça peut se passer sur Internet, par téléphone, par courrier ou en personne. Je parle évidemment de la fraude. Et quand on y est confronté, souvent on se pose des questions. Bon, qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois me référer? Est-ce que je dois simplement le signaler, porter plainte? Donc dans ce vlog, on va tenter d'éclairer la situation pour vous orienter si jamais vous êtes confronté à une situation frauduleuse. La première chose, il faut distinguer signaler et porter plainte. Signaler, c'est d'aviser les autorités, soit une organisation ou un service de police, qu'il pourrait y avoir des fraudeurs actifs sur son territoire. Porter plainte, c'est de déclarer la situation et démarrer officiellement une enquête policière qui a pour objectif de retracer l'auteur de la fraude et le traduire devant les tribunaux. Donc, quand est-ce qu'on signale qu'on porte plainte? Généralement, si la personne ne subit aucun préjudice financier ou monétaire, c'est pas fait voler son identité, ça affecte aucunement son crédit, bien, généralement, les gens vont vouloir signaler la situation. Je vous donne un exemple. Vous recevez un message texte d'une personne qui se fait passer pour une agence gouvernementale demandant des informations personnelles. Vous trouvez ça douteux, louche. Vous voulez quand même aviser les autorités.
Donc, c'est un signalement. La meilleure façon de le faire, c'est de contacter le Centre antifraude du Canada, qui est une organisation fédérale qui a pour mandat de recueillir toutes les informations relatives aux fraudes. Mais si vous avez subi un préjudice financier, matériel, vous êtes fait voler votre identité, ou ça affecte directement votre dossier de crédit, à ce moment-là, il est recommandé de porter plainte à la police. Comment on fait? C'est bien simple, vous vous rendez dans votre poste de police qui dessert votre municipalité. Vous allez alors rencontrer un patrouilleur qui va prendre une déclaration écrite, donc vous allez lui raconter l'histoire, et le patrouilleur, lui, va ramasser les preuves que vous avez en votre possession, que ce soit des captures d'écran, des relevés bancaires, des photos, et ainsi de suite. Le patrouilleur, lui, va monter un dossier, et le dossier va être par la suite transféré au département des enquêtes. Les enquêteurs, eux, leur travail, ça va être d'analyser le dossier, tenter de recueillir des informations supplémentaires, des éléments de preuve. Parfois même, ils vont travailler avec des unités spécialisées d'enquête. On peut penser aux crimes économiques, crimes informatiques, et même des organisations externes, l'Autorité des marchés financiers, les agences de revenus, les institutions bancaires, et ainsi de suite. Donc, pour étoffer le dossier et tenter de retracer l'auteur de la fraude. Le travail aussi des enquêteurs, que le suspect soit ici, dans notre province ou qu'il soit à l'extérieur, le travail des enquêteurs, c'est de relier les dossiers, de les recouper pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible. C'est bien simple. Plus qu'on a de dossiers qu'on peut relier, plus on a d'informations, plus que ça nous permet d'identifier les auteurs des infractions. En terminant, je veux vous mentionner, il y a beaucoup de citoyens qui utilisent la voie facile pour transmettre l'information concernant les fraudes. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre sur les plateformes des médias sociaux des services de police, par exemple Messenger, vont envoyer une capture d'écran et vont dire « Vous devriez enquêter là-dessus, ça semble louche. » Bien, sachez que ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la façon à utiliser pour transmettre l'information, que ce soit un signalement ou porter plainte. Si vous voulez porter plainte concernant la fraude, vous devez contacter votre service de police locale. S'il s'agit d'un poste de la Sûreté du Québec, pour connaître ses coordonnées, vous pouvez toujours vous rendre sur le site Internet de la Sûreté du Québec dans la section « Nous joindre ». Vous inscrivez votre code postal et vous allez découvrir le nom du poste ainsi que ses coordonnées. Vous pouvez également faire un signalement au Centre antifraude du Canada par téléphone ou par Internet. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, c'est pas des plateformes appropriées pour transmettre de l'info concernant la fraude ou tout autre crime. Voici les anniversaires en ce 31 mars. La FEDOC de l'Île-du-Port souhaite bonne fête à Lucienne Caillé, à Jeanne-Mance Lambert et à Marcel Dubois. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Dominique Morin. Et le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite bonne fête à Paul Bergeron de Lanoraie. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 31 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une nouvelle, ou plutôt un rappel. On vous a parlé il y a quelques jours, quelques semaines, d'une exposition originale qui se déroule au Musée d'art de Joliette, « La maison que j'habite, moi ». Eh bien, cette exposition, évidemment, ça s'achève. Et si vous ne l'avez pas vue encore, il reste quelques jours et on vous invite à y aller. « La maison que j'habite, moi » est le résultat d'une série d'ateliers créatifs avec des résidents du CHSLD Sylvie L'Espérance, développé depuis 2018 par l'artiste visuelle Marie-Hélène Bellavance, en collaboration avec l'artiste en danse Ariane Boulet. Des aînés ont revisité leurs souvenirs par l'art, le mouvement et la visualisation. Ils et elles ont réalisé de petites boîtes qu'ils ont meublées d'objets porteurs de mémoire, rappelant le symbole d'une maison. On vous invite donc à voir ces créations, en plus de celles de Marie-Hélène Bellavance. Donc, nous vous représentons une entrevue que nous a donnée Mme Bellavance lors de l'inauguration, ou lors du vernissage, pardon, de cette exposition. On vous invite à y aller, ce n'est pas déjà fait. On regarde. Je suis en compagnie de Marie-Hélène Bellavance. On est dans un bel environnement
J'avoue que voir le catalogue, c'est inspirant, là, si on rappelle. Mais tu as eu la chance, je peux dire tout, oui, tu me permets. Oui, pas de problème. Tu as eu la chance d'aller à la maison ou à la résidence Sylvie d'Espérance, d'aller rencontrer des aînés, oui, et parler de leur mémoire, parler de leurs souvenirs, par l'entremise des petites maisons. Mm-hmm. Je trouve ça passionnant, ça me touche beaucoup, oui, parce que ces gens-là, ils ont de la mémoire, des choses à raconter, et tu as réussi à peut-être à ramener des souvenirs dans ces petites boîtes-là. C'est un peu l'idée de ce projet, ça a démarré avec Ariane Boulet, qui est une danseuse et chorégraphe qui travaille en ce moment au musée, qui fait des chorégraphies, des déambulatoires dans les CHSLD de Montréal et les environs. En fait, elle appelle ça le mouvement de passage. Donc, avec les danseurs, elle se promène, puis elle danse, elle crée des contacts avec les résidents. Puis oui, nous, on a voulu, c'est une amie à moi, puis on a voulu créer des ateliers avec les résidents aussi pour qu'il y ait un peu une trace de son passage, de l'art. Puis l'idée des ateliers, on l'a ramené vers la maison parce qu'en CHSLD, c'est aussi un endroit où est-ce qu'on se dépouille de... Oui. Qu'on quand on passe la porte, on se dépouille de notre vie, pas de notre vie, mais de notre maison, de notre sens, de beaucoup de choses. C'est ça. Puis l'idée de recréer des petits espaces avec les personnes âgées, c'était aussi de retourner dans l'intime, dans les souvenirs, dans la mémoire de ces espaces-là qui nous font du bien. Donc, comment je pourrais dire... de mettre en lumière que l'espace d'une maison, c'est pas juste extérieur, mais c'est à l'intérieur c'est qu'on vit. Moi, c'est ça, aussi. Donc, c'est des ateliers qui sont super riches parce qu'on a des discussions avec les résidents. Puis, comme vous dites, ils ont beaucoup à partager. Ils ont toute une vie. Puis moi, j'arrive là, avec bon, mais de vie. Et là, ils acceptent de te recevoir, premièrement. Puis après ça, ils acceptent que tu les écoutes. C'est sûr que faut avoir une très grande écoute. Moi, la question que je me pose, est-ce que c'est toi qui as amené des objets, parce qu'on voit qu'il y en a, c'est des petits coquillages, est-ce que c'était des choses qui disaient, moi, dans ma maison, je voudrais mettre ça, puis tu allais chercher, ou c'était quelque chose, c'était comme une grosse boîte, puis aller fouiller, là, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je fais, c'est que j'apporte les objets. On a une grande table avec toutes sortes d'objets que je ramasse depuis longtemps, qui sont là aussi pour stimuler puis éveiller les souvenirs. Des fois, quand ils nous parlent de certains éléments, ça arrive que je vais fouiller puis je vais rechercher comme des objets. Par exemple, il y a une dame qui avait parlé d'une voiture à un moment donné, puis j'ai trouvé une petite voiture chez moi, puis je l'ai rapportée parce qu'au fil du récit, il y a des choses qu'on veut construire avec eux, donc qui manquent dans la boîte que je n'avais pas comme objet. Mais c'est vraiment des objets qui sont disposés sur la table, puis que c'est ça qui est comme les déclencheurs qu'on va arriver à les faire parler. À retourner dans le passé. Puis à retourner dans le... J'ai vu que tu avais fait des petits livres aussi. C'était eux autres qui... Dans le fond, c'était une explication de quoi représente leur maison. Tu sais, là, c'est associé. Là. C'est vraiment un tout. En fait, c'est pour les traces, parce que chaque personne a parlé beaucoup. Puis, on prend des notes. Il n'y a pas juste moi qui est sur place, il y a des assistants, des aides. Puis, on prend des notes de ce qui est dit, puis de ce que les gens nomment. Des fois, des phrases qui sont textuelles. Puis, je recrée un peu une petite histoire ou un poème qui est comme un petit recueil, finalement, le petit récit de chaque personne. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mars, à 97 ans, est décédé M. Placide Guertin, époux de feu Marie Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de la Visitation de l'Île-du-Port. Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel Guertin, Pierrette Dubois, Bibiane Guertin, Gilles Grimard, Anne-Marie Guertin, Robin Landry,
ses petits-enfants, Nancy et Danny Gertin, Éric, Martin, Luc et Sonia Grimard, Steve et Christine Landry. Ses arrière-petits-enfants, Jason, Mélodie, Jacob, Gabriel, Lily, Alexis, Rosalie, Logan, Rumi et William. Sa sœur, Georgette Gertin, feu Jean-Claude Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité dimanche le 3 avril, sur invitation seulement. M. Gertin sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses fils, Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses trois petits-enfants, Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque, donc ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer, donc qui seront acceptés à l'église. La famille vous accueillera samedi le 9 avril à l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13 h. Suivront les funérailles à 14 h. M. Carrier sera inhumé au cimetière d'Entrelac en toute intimité. Sur ce, passons à la météo. Journée grise aujourd'hui, mais au moins le mercure s'est réchauffé. En après-midi, il y avait de la pluie, pluie légère quand même, 8 degrés. Il y aura de la pluie ce soir, en ce jeudi soir, encore 7, 8 même degrés encore dans la soirée. Cette nuit, on reste au-dessus de zéro puisqu'il fera 5 degrés. Des bandes brouillard sont annoncées, surtout dans notre coin Saint-Ignace-Berthier, où le fleuve est présent. Vendredi matin, le soleil se pointe le nez. On parle de 4 degrés. La pluie aura cessé, ciel variable. Donc, vendredi après-midi, oh, quelques nuages reviennent, quelques petites averses pour vendredi en après-midi et vendredi soir. Mais dans les deux cas, on parle de moins de 1 mm de pluie. Peut-être en soirée, quelques flocons de neige, puis que le mercure avoisinera le zéro. On parle de 1 degré ou environ. Voilà donc pour votre dernier bulletin du mois de mars. Alain Bellumeur au pépite qui vous invite à être des nôtres pour le 1er avril. Soyez présents. À demain. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.